Bonjour YouTube, petite intro très rapide, puisque aujourd'hui c'est le jour de JTFT, et comme tu peux le voir, il n'y a pas de JTFT, c'est normal, ne t'inquiète pas, être infâme est en vacances, il reviendra la semaine prochaine, tout comme JTFT, sachant qu'il a gagné la Tactician Cup, le tournoi majeur européen de TFT. On peut donc dire qu'actuellement il est le meilleur joueur européen, et que tu auras le droit à ses conseils et comment il joue ses compos dès la semaine prochaine. Bonne vidéo. En fait, je m'attendais à ce que Poppy fasse pas défoncer la gueule comme une victime en 4 bastions avec 3000 PV quand même. Un Sterak, une BT? Non, c'était bizarre. Je suis désolé, c'était un peu chelou. Hein. Alors d'accord, j'avais pas Xerath pour les dégâts bruts et... Mais j'étais pas trop off-tempo non plus. Non, non, là, je suis désolé, bizarre, bizarre l'ambiance. Et je peux pas dire que c'est un top 6 sur une question de placement, alors... Désolé, mais ça ne fonctionne pas. Je vais peut-être garder lui en vrai. Surtout que le placement, encore une fois, il était pas mauvais, puisque, de toute façon, à un moment donné, j'ai fait ce que t'as dit. Donc si on considère que c'est ça l'erreur, bah non, parce que à un moment donné, je le faisais et ça marchait pas non plus. Pas comme si, juste théoriquement, je disais que ça marchait pas avec l'as, mais factuellement pas, quoi. Un peu bizarre. Mais bon, c'est la première fois que je jouais Poppy, bon. Qu'est-ce qu'on veut garder? Bon, le Twitch, c'est pas clair non plus. Moi, je pense que ça va vous plaire, le défi, hein, si jamais. Je vais pas vous bait, mais... Ça vaut le coup, ça. En fait, je pense que je vais essayer de jouer Frost, non? J'ai des préserveurs par-dessus. Et je joue genre veille. Parce que je peux faire 9 Frost au niveau 8 en fait. Assez broken, hein. Et je joue veille. Alors je slam Sterak et je joue Olaf. Junior multi-striker. Okay. Parce que Sterak tout de suite, c'est bien sur lui, quoi. Vas-y, je veux pas perdre. On va jouer autour de Olaf. C'est décidé. Décidé parce que je veux gagner, c'est tout. Seule raison. Et Karims. Un bon coup chez Karim. En vrai de vrai. C'est vraiment un bon push, je pense. Un push, ok. Pas enfin, un bon. Enfin, voilà. Là, on a commencé par un vieux top 6, hein, quand même. L'ambiance. Je comprends pas pourquoi j'ai 6 ma Poppy là, je suis dégoûté. Non, Poppy c'est fort, et là je trouvais que c'était nul. Est-ce que le gear allait pas? C'est pas IE? Mais bon, BT Sterak, il n'est pas censé se faire oblitérer, je comprends pas comment elle disparaissait comme ça. BT Sterak, 3000 PV, 4 bastions. Pas censé te faire victime, quoi. Il recast, trust.
Big. Oh! Choc barre. Les Titans quand même, si. 3 balles. Ah, Last Whisper. Boum! Last Whisper Head. Comme ça, Olaf, il est pas stock sur les fronts. Incre. On a soit ça, soit Préserveur, en vrai. En tous les cas, c'est très cher. Du coup, c'est bizarre comme ambiance. Le multi-striker sur les deux cons, je sais pas si c'est mieux qu'un Préserveur. Et je vends les deux clowns, quoi. Probablement mieux. Du coup, au niveau 9, on peut rentrer une vilaine Morgana et on a 9 Frost avec Morgana et tout. Oh, incroyable. Juste qu'on trouve une Spat Frost, quoi. Finalement. Nous, on joue juste le 7 Frost et on met plein de Préserveurs à côté. C'est très bien aussi. Les deux plans de jeu me conviennent. Pourquoi il a Fiora, évidemment. Le Yankli. Il est abonné au service premium de TFT, du coup il a des shops avec des 4 costs. C'est pas un peu abusé ça? Hein? Le service TFT Plus. Nico, c'est cool, mais coûte cher. Zilean, là, en vrai. Love moins de 26 ans. Un petit push, Zilean, là, en vrai. Non, mais lui aussi. Ouais, niveau 4. On le bat, non? Il a rien, c'est pas une Kalista Ginzu qui va faire sa loi. On le bat large. Jace, c'est vraiment bien. Jace, ça tabasse. Niveau 5. Winstreak 30 balles, déjà un bon board, des bons items. Oui, on est content, je peux le dire, on est content. Plus qu'avec une Poppy 3, oui. Non mais je suis curé parce que je pense pas que ce soit nul, juste je comprends pas ce que j'ai mal fait. Trop chiant. Trop chiant de pas comprendre. Ok, Elise part. Et on essaie de faire le palier. Bon, je n'ai pas obligé de la vendre tout de suite, vous pourrez me dire, certes, mais fermez vos gueules. Bon. Je pense que le plan de jeu Olaf est quand même meilleur que le plan de jeu clownesque de... Evey, hein. Evey, il faudrait le reroll en plus, on n'a jamais Diana, c'est un peu bizarre. Oh. Je peux pas vendre. Ce serait vraiment bizarre de vendre là. Ah mais on va avoir Diana. Ah, attends. On va avoir Diana en fait. Oh, ah ouais. Ouais. Un peu beaucoup de front, mais avec lui qui passe devant, ça va aussi, je pense. On a une Diana garantie. Il faut qu'on trouve la Spat Frost, quoi. Il faut vraiment la Spat Frost. Ah, merde. Si on tue rien, c'est bizarre, le Frost. C'est peut-être push deep, ça. Hein. Ouais. Je sais pas, mais peut-être. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, on vire pas les portails pour l'instant. Hein. Bien. Alors, non.
Ah. Non. Non. Ah. En vrai, on Oh peut dire merci veille du alors. coup. Ah, oh, le shred, je sais pas. On peut dire veille, juste on fait Shojin Rabadon ou un truc. Pour l'instant, je fais rien. J'attends un item de plus. Quoi? Oh, Mathéo, bien joué. Bien joué pour l'argent de Jeff Bezos. C'est à toi. Tu régales. En fait, l'idéal là, c'est on attend 2 rounds. On push, on trouve Zilean, on met 5 Frost avec un truc un peu, voilà, sympa, genre Olaf. Et il a Kalista naturel, lui. Ça y est. En vrai, il nous faudrait Swain 2, et peut-être qu'on fait du Gear Swain plutôt que du Gear Veil, mais... Je sais pas. Oh, le cauchemar de la game. D'un coup, c'est de la merde. On gagne, c'est bon. Okay. Non, c'est bien, c'est bien. C'est pas de la merde, j'ai menti. Ok, ça c'est absolument extraordinaire. Un truc slammable. Ah, ça, je peux pas le slam parce que Crown, c'est insane. Mais s'il y a une spatule à un moment donné. Mais Crown, dans le genre pété sur lui. Sachant que mon Olaf il prend quoi? Une BT en last? Probablement. Oh, il est faible lui, j'ai pas besoin de. Des conseils? Point d'exclamation tuto. Les Mathéos sont stuck au même elo. Aïe aïe aïe. Attends, j'ai dit qu'il est faible parce qu'il avait aucune upgrade, il est en train de nous fumer à cause de portail. Is ok. Panique un peu sur mes fights, mais en vrai ça va. Non, bah des conseils, le problème. En fait, le problème, c'est que quand vous demandez des conseils. Quand vous demandez des conseils, je me dis toujours ma théorie. Je me dis toujours, je sais pas quoi vous répondre parce qu'en fait, je sais pas ce que c'est votre gameplay. Et ce qui potentiellement va pas. Et en plus, est-ce que je suis capable de le repérer? Il est mignon, lui. C'est un peu. Regarde, par exemple, j'ai pas su ça détecter ce qui allait pas dans ma game Poppy juste avant. Bon, du coup, attends, mais il nous reste 2 bangers là? Mais non. Mais non! Oh, je crois que je vais faire. Ouais. Je vais pas faire Crown, j'attends la fin du PVE. Non, si ça me fait gagner, je le fais. Non, mais c'est pour ça. En fait, le problème, c'est que tant que je connais pas vos games, je peux pas dire ce que moi je vois qui me semble un peu bizarre. L'idée. Vas-y, on fait Rabadon. Rabadon Blue Buff. Je garde ça au cas où j'ai une spat. Hein. On est là pour le 9. On push. Alors attends, le truc c'est que. Je push roll ou pas? Ça c'est bizarre. Mais ça c'est bizarre, on a dit. On va. Bon, les portails vont se faire foutre. Mec, je peux drop des armures si je veux. Ah putain, on a explosé notre écho alors qu'on perd, non. 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 Avec champion conférence, on va avoir Olaf. Mais du coup, on doit attendre longtemps à Diana. Bâtard de Zilean. Protecteur Zo, c'est cool. J'ai juste pas de contre, quoi. Normal de perdre. He's ok. He's ok. En vrai, tu veux pas toujours Nasus?
Lui, il est gaze, mais lui. Hey, Fiora, ça y est! Fais que de me taper dessus! On battra jamais ça, je crois. Hey, pas loin! Ça joue à rien. Un petit IN2, ça passait. Bon, la spat, après le 4-2, c'est pas clair, hein. Ouais, bon, bah là. Faisons ça. C'est sûr que je ferai cet item de toute façon. J'étais pas obligé. En vrai, il faut pas faire ça. Voilà un peu. Bon, au 7, ils étaient pas fameux. Non, mais ça y est maintenant. ouais. Reforge ça, je pense. Une hoge, non, j'attends un peu. Tac, 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 tac. Et on va push pour la roll. Je sais pas si c'est très bien ce qu'ils ont pris là, l'augmente Prisma sur une map champion conférence. Parce qu'en vrai, tu vas quand même souvent te retrouver dans un spot où tes champions, tu vas les avoir sans avoir à ouvrir un shop spécial qui te coûte une Prisma, quoi. Du coup, je sais pas. Un peu bizarre. Ouais, le charme spatula, potentiellement. Hein. Je vais jouer autour de ça. Ah, bah voilà. En vrai, je prends. Je me fais pas chier. Hop. On trouve une Diana, on a gagné la game. Voilà. C'est ça que je voulais faire, là. On roll un peu. Ce sera ça. Nora. Nora, elle est bien. En fait, j'aurais bien aimé roll. Un EI2. Ah, Morgana est mieux que Nora, boum. Ah, c'est pas mal ça! Même ça d'ailleurs. Bon. Du coup, je peux faire un autre pivot. Voilà, triple pivot. Et on fera une. triple protecteur Zvo. C'est parti. Et on fera BT sur Olaf. Bonne chance, les refs. Ouais, j'ai joué à la finale, ouais. Mais je pouvais pas gagner en fait parce que les points étaient pas reset, donc de toute façon même si je faisais top 1 je pouvais pas gagner. Donc j'ai décidé de faire top 6 et de mal jouer. Allez, une petite Dianaz en légende. Et ok lui non? Cinq balles. Pas le Wincon, soit une 3. Considère peut-être quand même Rakan. Hop là, large. Allez, une BT ou une Diana et on gagne la game. Let's go. Ah, ça va, il y en a deux. J'allais dire sur Xerath, c'est technique, mais. Après, le problème, c'est que quelqu'un va prendre Xerath pour Xerath, non? Personne va jamais prendre cette merde.
Gwen, elle va disparaître. Oh! Big. Bon, j'ai que Olaf 1. Le truc, c'est que j'ai champion. J'ai Diana ici, en fait, quoi qu'il arrive. Donc, je pense que Gekko, et au pire, je perds 2 rounds, et tant pis. Non? Ouais, je pense que c'est attaque. Comme ça, on peut push 9, et garder un board un peu solide, et on met Rakan Bard. On joue full préserveur. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est ça, attaque. On joue Rakan Bard au 9, avec 9 Frost. Alors, lui, c'est Rakan. Ouais, non, on peut pas. Rakan, level up, Diana. Donc on joue pas Bard, ouais. Mais on enlève Blaster de con. Ouais, c'est ça la tech, hein, je pense. On sait qu'on a Diana. On n'est pas pressé. On va passer niveau 9. Et on va gagner à Games. Bravo, bravo tout le monde, bravo, oui! On a encore un poil faiblard, bon. On gagne vite fait des rounds, quoi. Faut pas que les mecs ils aient des boards de fou. Là, en l'occurrence, ça va, mais... Briar Frost, ça se trouve, c'est une dinguerie, par contre. On va essayer de la stuff, non? Briar, elle peut faire des vilaines choses, hein. Putain, le triple protector's bow. Là, c'est quelque chose, ça aussi. Ouais, comme ça, on va pouvoir push 9, ça va être trop bien. Un petit top 1 pour rattraper le top 6 de merde. Il y a des dingueries ou pas? Il va y avoir Veigar 3, c'est très très chiant. Regarde surtout les... Mais, vends les Olaf, toi! A priori, pas de dinguerie hein, pour l'instant. Pas s'il nous bat, lui, parce que son Veigar, il va pas trop nous burst non plus. Vu qu'on a Protector's Vow. Et bon, Veigar, quoi. Non, c'est bon. Large. Eh, c'est bien, on a gagné alors qu'on a parole. Donc on a gagné avec Olaf 1. Oh! En Briar 2. En vrai, si on peut y mettre du stuff, je la garde. Hein. Elle est trop trop bien. Je pense que je préfère Briar que... Est-ce que je préfère Briar que 5 préserveurs? En vrai, la question se pose, mais... Pff, le pauvre Swain 2 tout seul devant... Ok, on a les soldats de glace, mais... Non, je pense qu'il nous faut un deuxième un peu gros strong carry. Lui, il est sympa, mais niveau 2, il fera pas grand-chose. Bon, pour l'instant, on fait ça. On bouge pas. Tente un truc. Pour vendre E, mais vous avez le menu des touches ici, hein, mes petits potes. J'ai un poil grid quand même. Il aurait pu nous battre. Du coup, Morgana et Braillard, quoi. Non mais faut pas que je prenne ça, c'est Gaze et en plus j'ai pas pris Bard. Pas d'upgrade là? Les ambiances ça. Bon, le board est quand même assez insane. Si on a Briar 2, Olaf 2, à un moment donné, ça va quand même être quelque chose. Parce que bon, 80 de d'AP et d'AD. Braillard, elle a des dégâts, quoi. Il nous tue, il nous casse la gueule.
Mais putain, c'est parce qu'on n'a pas Olaf 2, le con. En plus, Diana 2, on l'a garanti au stage 6, mais bon. Après, j'ai acheté un charme de merde, j'ai cherché. Ah. Bah voilà. On lock, on prend Diana. Achètera peut-être ça, en vrai. Nourrir Braillard. C'est worse dans le seul... Il y a un seul scénario où c'est worse, c'est quand tu veux top 8. Sinon, faut pas trop la nourrir. C'est vraiment le seul scénario où c'est viable de nourrir Braillard. Et les petites dingueries, là, on en parle ou... Je peux pas me placer là pour Akali avec le machin. Mais... Bon, Olaf 2, c'est insane, hein, pour le coup. C'est vraiment une grosse diff. Faut qu'il prenne vite son reset, en fait, Olaf. Il y a quel monde où... où je joue lui, en fait. Réfléchis, mais... C'est bizarre, ça. Vous me la laissez ? Trop sympa. La tech en finale, quelle tech ? Non, mais il rentre jamais ce gros con en fait. Non, j'ai merdé, j'aurais pas dû lock. J'hésitais, mais. Arme de merde, bon. Faudrait Braillard de Diana 2 maintenant, c'est tout. Bon, moi, Olaf prend des resets là. Braillard. Laisse-moi tranquille. Pas rose, ouais. C'est bien. Oh, les petits soldats de glace là. Le petit glaçon là. Mais tu Smolder, arrête de le laisser partir. Arrête. Arrête de courir, toi. Putain de Smolder. Bon, j'ai pris encore un charme de con en me disant Braillard 2 ou Diana 2, mais... ça, c'est un peu gaze, non? Vas-y. Ah! Alors là, va falloir arrêter technique. Faut se mettre du côté où il n'y a pas Végard. Bah, il veut taper notre poteau inutile. Très bien. Hein. Les boucliers! Les boucliers de Swain! Voilà! Voilà les boucliers de Swain! Et ça y est, hein. En vrai, dès qu'on a les deux niveaux 2, c'est bon. Ça arrivera un jour, j'en suis convaincu. Bon bah c'est un top 2. Vas-y, hein, s'il y a un moment où il faut jouer un dragon, c'est aujourd'hui. Il n'y aura pas beaucoup d'autres occasions de jouer un dragon. Hein. J'ai pas Braillard 2, mais... Il y a quoi, lui? Un champion portal. Ça me va, hein. Bien placé contre lui. Enfin, le pire, c'est que je suis très bien placé, mais je pense que je le bats jamais. En plus, il y a 65 PEV. C'est même pas genre je peux le battre sur un accident, quoi. Non mais les trucs ont 5000 PV là... Non mais... Eh, hey, en vrai, on n'a pas été ridicule.
Il faut juste tenir pour le top 2 et voilà. Sinon, lui, je pense qu'il peut battre aucun de nous deux, en fait. Il peut battre ni le Deportail, ni le 9 Rose, donc a priori, il a perdu, quoi. Oh. Immune CC. Ah bah, il s'est paré. Ouais, il n'y a pas trop de CC, là, si. En bof. Vas-y, on tente, hein. On va jusqu'au bout du rêve, hein. Maintenant, on a Braillard 2 et tout. J'essaie de faire aller Braillard ici. Il a FF. Mais putain, on est contre l'autre alors que j'ai pris le charme de fou. Ah. Put. Peut-être avec Morgue 2, on sait pas. Le petit Braillard. Je donne un biscuit à Braillard. Mais il a beaucoup quand même parce qu'il a eu Spat Arcana en plus. Donc en fait, il doit avoir un Arcana qui fait 61% de dégâts. Ah ouais, mais. Il a la game de son existence, lui, je reconnais. Ah, vous allez voir, avec Morgana 2, ça va le faire. Ah, oh, mais j'ai pas besoin. Oh, bah, j'ai pas. Ah ouais, on prend Witchcraft pour Morgana. Je laisse sur Diana. Le TG sur Diana? Ah. Elle le porte bien. Enfin, je vais mettre sur qui? Tu es un sorcier, Warwick. Ah, ça va enlever des PV à sa fronte. Vous inquiétez pas que ça va changer les choses. Hein. Hop là! Nourricède. Il y a Xerath 2 maintenant. Je pense que mon placement n'a aucune importance. Ah, t'as pas eu de chance? Oh, putain, ça saoule ça quand ça arrive. En plus, c'est grave un jeu de chance, donc c'est trop chiant. Oh, mais le nombre de shields des portails aussi, quoi. C'est vraiment pas que les dégâts, hein, c'est le fait que tu puisses pas les passer. Eh, mais en vrai, on s'est défendu, hein. On s'est défendu, hein. Plus 29? Oh.